pas je le fais, c'est terminé, genre ça marchera pas là. Puis au final, ben le gars il a pas eu le temps de le faire, fait que moi j'ai fait comme fuck. Ben, je l'ai pas dit, pour vrai là, j'ai juste pas dit, là, puis j'ai fait, je vais m'arranger parce que j'étais un gars qui a toujours été pas mal autodidacte. Là. À l'école, j'allais pratiquement pas à mes cours, puis j'ai quand même réussi à passer quand même assez longtemps. Le gars s'est rendu à l'université en parlant ses cours, là, fait que j'ai toujours checké mes livres, puis j'étais capable d'apprendre par moi-même. Fait qu'avec le logiciel, surtout, j'étais un patenteur, puis j'étais un gars qui a fait du Photoshop, puis j'étais un gars qui stream en patentant, puis en tout le temps testant, puis en essayant mes affaires, puis. Au final, mon produit est quand même beau, puis je suis juste comme calisse que je sais pas trop comment j'ai fait en arriver là. Mais je suis là, là. Puis avec cette machine-là, c'était la même affaire. Avec ce programme-là, là, j'ai patenté un peu, j'ai gossé un peu, puis là, j'ai fait comme... Ah, OK, là, j'ai compris c'est quoi. Pour vrai, là, la première journée, j'étais arrivé, puis je comprenais déjà à peu près tout. Après ça, le gars, il m'a donné plus de responsabilités. Au début, j'étais juste censé accueillir le monde sur le Zoom, puis leur montrer comment installer leur affaire dans iNature. Puis après ça, ben en plus du logiciel que je te parle, après ça, finalement, ça a donné que c'était moi qu'il fallait qu'ils construisent le Zoom, puis qu'ils gèrent toutes les personnes pendant tout le Zoom, parce que le gars, il avait pas le temps, puis c'était moi l'admin du Zoom, maintenant. Parce que... Ouais, mais j'avais jamais... Yo, la première fois que j'ai payé sur le Zoom, c'était à l'entrevue avec Guillaume Latendresse puis eux autres, puis la deuxième fois, c'était là. J'avais bugué raide. Puis là, c'était moi qui contrôlais tout. J'étais juste chaud. Calisse. Il y a une affaire qui s'est passée, qu'un moment donné, j'ai pèsé sur le piton rouge. Tu sais, il y a tout le temps un piton rouge, faut pas que tu pèses dans toutes les affaires, là, pis... Ouais. Yo, je voulais pas le faire, c'est juste que faut que je déplace le monde. Non, non, c'est pas... Ouais, oui, aussi, de un. Mais non, non, je le savais que c'était ça. Je le savais que c'était ça, il m'avait dit, pèse pas là-dessus. Mais ça... Ce piton-là était fucking proche d'un autre piton fallait que je fasse pour aller changer les rooms puis aller les replacer. Fait que bro, un moment donné, j'ai misclick. Puis quand tu misclick, ben ça fait un countdown de 30 secondes. Puis dans 30 secondes, tout va fermer. Puis toi, aucun contrôle sur ça. Imagine, ta première fois tu touches à ça, ta deuxième, troisième journée, là, pis ça pète. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un bouton autodestruction. Oui, c'était en direct. C'était le piton autodestruction en direct. Fait que pendant... pendant 10 secondes, bro, il n'y a plus de caméra nulle part, pis c'était la game d'NHL, pis après ça, j'ai tout resetté comme un calice de malade, pis genre, ça a pris comme 10 secondes, pis pop! Genre, tout était revenu, j'étais genre... Parce que moi, pendant 10 secondes, là, j'ai capoté pendant 15 secondes. Je vais te le dire, là, j'ai essayé de passer tous les boutons possibles imaginables pour arrêter ça pendant 15 secondes. Ça a pas marché. Là, j'ai fait, je suis dans marbre. J'ai appelé le boy, puis j'ai passé sur les boutons. Il était comme, oh, tabarnak. OK, il va falloir que tu recrées tout. J'étais comme, au pire, recrée juste une room, puis envoie tout le monde là, puis ça va fonctionner, puis tu recréeras les affaires. OK! Je recrée quelque chose, après ça je recrée tout, je replace toutes les personnes, j'étais stressé. Puis en plus pendant ce moment-là, mes joueurs de la prochaine game y arrivaient. Fait que là, fallait que je me grouille à faire ça pour après ça accueillir mes joueurs, les amener dans mon autre room avec les personnes de Hockey Canada puis la West qui ont rien compris de tout ce qui s'est passé. Puis après ça, je recommence mon affaire, je refasse mes divisions de l'autre. Yo, j'étais stressé, je paniquais ben raide, mais ça a été la seule fois que c'est arrivé, puis c'était le piton rouge. C'était tout. Puis c'était la troisième journée, après que les deux premières journées, le gars il soit juste en mode, qui me donne de plus en plus de responsabilités. Après la quatrième journée, il était juste en mode, t'en as-tu trop? Puis j'étais juste comme, yo, toutes les affaires que je fais, là, c'est des affaires que toi tu pensais donner à d'autres mondes, parce que, en théorie, à cette affaire-là, j'étais censé être le gars de diffusion, puis j'ai fini la bitch. En gros, là, c'est pas mal ça que c'est passé, là. Genre, j'étais rendu que je touchais à... Mais moi, j'aime ça. C'est ça, exact. Tout qu'est-ce que tu vois que le monde rush, tu délègues à cet esti-là, pis cet esti-là, ben, il va le faire. Je sais pas pourquoi, comment, mais il va le faire. Il y a un moment donné, là, je sais pas comment j'ai fait, mais le Zoom, fallait qu'il soit absolument lancé de son ordi. Puis avec les codes, pis ses Facebook, pis ses affaires, au début, ça marchait pas. J'ai pèsé sur un piton que je sais même pas à ce jour c'est quoi. J'ai fermé la page, pis le Zoom a popé. Puis j'étais dans son compte admin, que lui, fallait qu'il aille chez eux pour avoir. Puis là, fallait qu'il appelle sa blonde pour que sa blonde sorte de la job pour aller jusque là-bas. Yo, c'était la panique générale avant le truc. Puis moi, j'ai fait ça, puis j'étais réussi. Le gars, il a fait « Comment t'as fait ça? » J'étais genre « Yo, je sais même pas comment j'ai fait ça. » Mais moi, j'avais ses accounts, j'avais tous ses accounts Facebook, j'avais toutes ses affaires d'ouvert partout, par quelque part. Fait qu'il y a peut-être de quoi qu'il a linké sur un account. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a marché. À partir de ce jour-là, j'étais capable d'y aller direct. Fait que le boy, il a juste fait comme gros, c'est à toi. Genre,
T'as mon account, fait qu'est-ce que tu veux, je n'ai plus rien à foutre. C'était hot. Oh, Roll est parti. Roll est arrivé, il est parti. Tu prêt? Deux plans. Deux pilons, genre, fallait, j'étais en train d'écouter mes plans, puis là j'ai parlé, puis tu me connais, quand je parle, j'arrête de faire ouais, qu'est-ce que je fais. Fait que... Ah oh, ouais, pour vrai, là. Moi, ça m'arrive tout le temps. Félix. Yo. On t'entend ça, c'est mal, comme quand tu joues à Among Us avec moi. Genre, je suis une des seules personnes en vie que si tu joues à Among Us, tu me dis qu'est-ce que tu faisais pendant les trois dernières minutes. Puis je peux te répondre, pour être bien honnête avec toi, là, j'ai space out pendant les trois dernières minutes, puis j'ai aucune crise d'idée qu'est-ce que je faisais comme mission. Oh, exact. Puis là, moi, c'était à Manga, c'est quoi je faisais, là? Parce que tu sais, tu fais tes affaires, je faisais mes diplômes en même temps, je faisais mes affaires. Ah oh, ouais, exact, c'était vraiment un move d'imbécile, ouais. Aussi. Mais. Mais still, je suis une des seules personnes qui peut te répondre ça, pis que je suis pas suspect tout de suite parce qu'ils sont pas en mode, ils essayent de cacher qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils sont juste comme, non, ce gars-là c'est vrai. Non, been there, done that, je l'ai déjà vu faire ça dans la vraie vie, je suis sûr que c'est vrai, qu'est-ce qu'il me dit. Pis je suis pas un menteur. Même à Manga, je suis pas menteur. Je vais utiliser les mots pour m'avantager à Manga, mais je suis pas menteur. Ça, c'est tout le temps fucked up. Ouais. C'est la finale, bitches. Finale, man. Ben, peut-être que Biss pis Matt vont faire pour la troisième place. Ça. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si. La seconde finale est-tu censée être avant ou après? Ah, ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, j'ai été gentil. J'ai été gentil parce que j'ai. Je voulais dire, à place de beau travail, j'ai voulu lui dire, tu l'as bien dompté. Puis après ça, je voulais écrire, mais dis-le pas. Désolé parce que je sais que Matt va te le montrer. Pas ce que je sache, lui. Non. Il est plus jokey que Matt. Genre, ouais, ça va passer. Ouais. Pis genre ça fait quand même longtemps qu'elle est avec Matt là, fait qu'elle me connaît là. Genre elle sait que des petites affaires de même c'est normal avec moi là. Si je te fais des affaires comme ça, c'est que je te trouve chill. Au final là. Si je t'écœure pas, y'a des chances que je t'aime pas là. Ou qu'on est pas encore assez proche pour que je la fasse. Yo, c'est ça pareil. Moi, je trouve que tes amis, c'est les personnes que tu peux le plus écœurer dans la vie. Là. Puis c'est les mais personnes oui. Qu'il faut que tu sois le plus droit et franc. Là. Ouais, exact. Mais pas juste ça. C'est que moi, je suis une personne qui est quand même méchante genre avec mes amis des fois. Genre, quand ils me disent des affaires puis je trouve que c'est un non-sens, j'y dis. Là. Genre, je suis une personne qui est quand même droite là-dessus. Puis genre, comme il y a des affaires, des fois, mes amis vont m'en reprocher pendant une couple de semaines. Puis après ça, ils vont me dire, ok, tu me fais chier, là, mais t'avais raison. Ou pas t'avais raison, mais t'as le droit d'avoir tes opinions aussi. Là. Il est pas vite, Max. Tout court. J'ai essayé, Rick. Il va falloir que tu mettes les settings aussi, Russ. VV a fait ses boîtes de chez Moutil Life. Pour vrai? Ouais. Faut-tu mettre les bons settings? Comment ça? C'est ça que j'étais en train de faire. Ah, oh, ben, ça faisait un bout, là. Ah. Mais au final, elle est en mode dépression à cause de, tu sais, ses affaires de poule. Ouais. Ben, ça l'a fucking pogné. Mais comme quand tout le monde y disait, c'est des affaires. Je sais pas comment changer la prolongation. Ah, oh, faut que. Où c'est écrit Nature, va à droite, faut que tu mettes custom. Ok. Fait que c'est compétitif. Ah! Custom. Ouais, Superstar était faite pis tout, mais j'étais pas capable de faire les autres parce que c'était en noir, fait que j'étais comme... Goalie control penalty. Ouais, ça j'ai mis. Ah ouais, ben ça, quoi ça, que... Ça, ça serait quasiment mieux que tu se mettes CPU pour moi. Ouais. Parce que t'es meilleur que le CPU. Dans les deux cas là. Parce que moi je rush contre le CPU en plus.
Mais dans le fond, elle est en mode qui est en dépression parce que ses affaires pas qu'il a pu, puis que là, elle se cherchait. Ah, mais c'était sûr, c'était passager, là. Ben oui, gros, puis étant aussi que. Genre, ça va repogner à l'entour de la Saint-Valentin. Ah, en vrai, ça. C'est juste ça, là. C'est ça qu'elle comprend pas un peu. Mais de toute façon, moi, je suis un petit peu content pour Moutil parce qu'il se faisait gérer comme une chienne. Ah. C'était pas tant cool. Genre, bro, je l'entendais dans le mic, là, pis j'étais comme. Ouais, ouais. Mais ça. Ben lui, il reste chez eux. C'est elle qui fait ses boîtes. Ah, ok. En théorie, c'était chez eux. Mais moi, je lui avais dit que c'était épais comme affaire. Yo, tu faisais pas tant longtemps qu'il connaissait la fille, puis l'amener chez eux quand la fille était dans la barre, pis un peu en dépression. C'était comme, yo, ouais. Ça là. Tu vas passer un mauvais moment, mon bro. Au thème d'entrée de Topper. Ah ouais. Ah, l'affaire de Bye Bye était quand même décollissant. Je l'ai regardé hier, bon, pis j'étais comme. C'était bon. Mais je suis surpris qu'il n'y a pas eu de. Bon, il était correct, on va se le dire. Mais je suis surpris qu'il n'y a pas eu de plainte ou rien comme ça. Infoman aussi était bon avant. J'ai pas réussi à le voir, Infoman, ça me fait chier. Infoman est tout le temps bon. Je le sais. Ouais, mais moi, j'étais un épais qui a pas le câble pis qui réussit à tout pogner en stream. Mais bro, j'ai pas réussi à pogner Infoman en stream pis ça me faisait chier. Pourtant, j'étais sur tout.tv pour me dire au pire, genre, je pognerais l'affaire d'un mois, là, si je suis obligé de le faire. Mais, il était même pas là. J'étais sur la page d'Infoman pis j'ai pas trouvé. À moins que ce soit une page bye bye. Je sais pas. Mais étais-tu direct? Il était comment, genre? Non, je sais que c'est pas en direct, mais est-ce qu'il était direct? Ben, parce que Infoman est tout le temps quand même parodique, puis il fait quand même bien ses tâches d'habitude. Là. Oh ouais. Okay. Même chose. Il a pas été chié. Non, c'est ça. Moi, j'ai peur qu'il ait été beaucoup censuré, à cause qu'il y a une vague de censure présente, puis c'est ça que j'ai peur un petit peu de Infoman. Ah, j'ai de le partir, Rick. J'étais pas sûr que ça le partait live. Ok. Je vais essayer de le chercher, bon. Ouais, peut-être que ça faisait pas assez de jours, genre. Ça se peut que c'est juste ça. Hey, Valérie, ben, plante avec ma conne au bye-bye. Ah, ouais, man. Ouais. Oh, bonne game. Ben oui, bonne game, Rick. Il est beau, ton sou. Ouais, Retro Reverse Whalers. Ouais, j'aurais dit... J'aurais dit à Picardin un peu plus. Ouais, Whalers, c'est okay. Ouais, c'est Whalers. J'ai pas le goût de la jouer ralenti cette game. J'ai vu de la press dessus. Parce que toutes mes autres games, là, les deux dernières, je les avais jouées tranquille, mais lui, j'ai pas le goût de la jouer tranquille. Fun, hein? Ben, je t'ai pogné moi avec Chinchnikov. J'ai pogné mon Kim aussi. Ah, il est gros, man. Il est gros, il est grand, il va vite, il a un bon shot. Man. Pas grand chose qu'il a pas, ce gars-là. Ouais. Parce que avec les pénalités. Ouais, avec les pénalités, ça fait 5. Ouais. Ça cause qu'il veut avoir une game d'à peu près 25 minutes. Genre. Quand c'est plus que ça, c'est long pour le monde. Tandis que là, ça fait 30-32, genre. Bah oui, moi je m'en calisse au final. Yeah, boy.
Celle-là, je vais la gauler, man. Aïe, non, man. Phoenix, 70 shots. Ah, pour vrai, tes lignes doivent être finies, là. Imagine le nombre de... Ça doit pas être le fun, des fois, là. Imagine la game que j'ai gagné 8 à 1, là. Ça va finir 80 à... là. Ça va être plate, là. Ouais, ça, ça va être des bonnes games. Les 20 à 18, ça va être des excellentes games. Mais les 30 à 6, là, ça, ça va être plate pour les deux, là. Parce qu'à 20 minutes, 60 minutes, imagine le nombre de buts que tu vas faire. Ouais, t'as tout le temps un petit délai de comme 15 secondes. Ça dépend si t'es-tu ton cell, si t'es ton ordi, la vitesse de ton internet. Oh, la console, je sais pas si c'est le plus rapide. Vu que c'est console à la console. Ah, vu que c'est... Non, c'est géré par YouTube, fait quoi. Ouais, si tu vas sur PlayStation en direct, là, je pense que ça va être direct dessus. Oui, c'est la passe. Oh, c'est un 2, ça? C'est un méchant 2. Charging. Ok, on attend. Peut-être que t'es pas si loin. Non. Je suis parti de ma def pour aller te chercher. J'étais en face, on pourrait dire. J'avais même rien à faire. Voilà. Ah ouais. Ouais, il y a une raison pourquoi ça a pas pogné, hein. Oh non. From sending it into the attacking area. Oh, what a blocker stop by Vasilevsky. Imagine quand tu stream puis que le gars te répond avec cette vitesse là. Ouais. Yo, ça là. Le gars te pose une question de là 45 secondes là. T'as aucune calice de quoi qu'il te parle. Pour vrai, là, ça arrive souvent que je suis juste comme. Je sais pas de quoi tu me parles, mon Bob. Ah oui, je suis trop soft. Attends. Ah, je peux pas. Non. Ok, prochaine période. Je change mon but. Ah, je peux faire ça, c'était méchant contre Matt. Toute la game. Ouais. Toute la game, j'ai réalisé que si je faisais mon side que j'aime, lui faisait le side qui était dominant contre mon side, fait que j'étais pas avantagé. Mais tie-up passait à chaque fois. Fait que j'ai comme ok. Quand j'en ai besoin, je tie-up. Genre, ça a été ça toute la game. Ouais, j'ai plus de game. Dis-moi ça, j'ai pitché. Okay. Change d'artiste. The Hurricanes win the draw. Oh, he's gonna be shaking his head after that one. Yeah, you go back to the bench here, kicking yourself in the rear end. You've got a scoring chance and you don't even get it on net. Receives the pass. Quand t'es en bleu, tu peux faire des snapshots. Quand t'es à l'oreille, on fait les wrist shots. Quand j'étais à bleu, je préfère faire des bins. Puis quand je la pogne à l'oreille comme hier, battu avec Chris, ouais, je la pogne en wrist shot. Quand on mise au jeu, on mise au jeu. En territoire offensif. Ben l'oreillette, l'oreillette.
Quoi? Pas vrai? Les oreilles, c'est genre le. C'est le nom, là. Les ouais, deux, deux sacs de mise en jeu. Ouais, c'est les petites affaires qui dépassent des cercles. Ouais. Des petites lignes, là. Ben, je sais pas ouais, quoi dire, mais... Il dit pas ça à TV. Non, à TV, il dit pas ça, c'est quand c'est tu joues. C'est un langage de game, là. Ouais. Non, mais c'est un langage d'hockey aussi, là. C'est ça, c'est le vrai nom, là. C'est les oreillettes, là, mais... Tu joues au Bantam Triple L dans le temps, man. Il dit, va te placer aux oreillettes, man, au Québec. C'est ça qu'ils disent, tu sais. Ouais, en termes d'hockey, là. Ça, je joue au deck. Ouais. Ouais, puis. Y'a nous. Moi, avec un peu d'hormones, j'aurais pu avoir des carrières comme goaler. Ça aurait été fou. J'étais pas tant loin, là. Avec moins de pilons, hein, on aurait sorti un peu plus de chez nous. Ah non, pas à tout. Moi, les pilons, mon gars, ça m'a aidé, là. Je faisais des pilons avant chacune de mes pratiques. En fait, non, moi, le monde pensait que je faisais des pilons avant chacune de mes pratiques. Ah, puis, moi, finalement, je faisais même pas de pilons dans ce temps-là. On parlait fait d'abri, par exemple. Ah, oh, je l'ai fait en sacrament. Ah oui, après ça, quand je suis parti, par exemple, c'était à chaque game, c'était le rituel, là. Puis ça, c'était... ça nous rapprochait, les boys, là. C'est ça, ah, à voir qu'il est sorti comme chien. Ah, c'était hot, là. Ouais, ça te rapprochait, mais je suis pas sûr que tout le monde avait le même effet que toi. Il y en a que ça devait ralentir sa glace, c'est sûr. Non, c'est ça le pire. C'est pas tout le monde qui a une botte qui traîne comme toi, pis que ça hop, ça aille, là. Il y en a que ça slow down, pis il y en a que ça rend. Ouais, mais quand c'est moi qui te feed, tu jures. Quand on veut se comprendre, là. T'as juste à penser. Essaye de comprendre un buzzer sans être buzzer. Moi, j'en connais et tout, que le pote, là, il vient de spécial en esti là-dessus. On dirait qu'ils ont popé du moche, t'es là. Quoi? Ouais, y'en a que ça fait pas, là. Ben, c'est pas des petits coachs, juste qu'ils sont ben, plus jeunes que nous autres, là. Y'en a que ça leur fait un effet complètement différent. Oh non, ok, j'ai fait là. Ouais, moi, avec, je connais. Où tu contrôles ta psychose? Non, mais c'est ça. Comme que je dis tout le temps, le weed, c'est pas fait à tout le monde. Non. T'sais, y'a du monde qui boive pis devient violent, là. Rendu là, c'est ça un petit peu l'effet de, du weed néfaste. Tu viens pas violent, tu viens fou. Ça, c'est fini. Ouais, moi j'ai envoyé un, là, une cheville du secondaire. Lui, il avait l'air de buzzer en tabarnak. J'étais comme, calisse. Moi, le monde, pendant toute ma vie, il pensait que j'étais un buzzer. J'aimerais que ça ait été à ta place, moi. Je me dis, ça va être à sa place, le buzz in man, calisse. Non. Ah, pourquoi il a pas pogné la passe? Oh. Oh, ça c'était pas de mon On a les deux meilleures équipes ici présentes en finale. Hurricanes pis Tampa Bay dans le jeu sont bons. J'ai hésité. J'ai fait des plays, j'aurais juste pu continuer à shotter pis ou juste shot. J'avais les deux shots en fait. Ouais. Puis j'étais vu, j'étais comme, ah, je vais le faire. Moi j'aurais dit, vous dites shot. Ah, mais moi je shot pas dans la vie, c'est un de mes défauts. Oui, 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 ah, t'avais clairement une ouverture de shot. Oh, t'avais une belle ouverture. Des deux balles. Je continuais, j'avais un ball, puis je faisais le shot et là j'avais l'autre. Ok, là j'avais. Non. M'a surpris Rick avec ton Farabee. Ah non. Joel Farabee, il va être bon, il va jouer sur top 6. Il est avec les Flyers, lui, hein? Ouais. Il va jouer deuxième ligne, là, avec Konechny. Team Canada, ça? Non. Farabee, oui, il a déjà été Team Canada, je sais. Non, mais on parle des Flyers. Non, je sais, mais c'est un ancien de Team Canada. Ok, je pensais que tu voulais dire, non, genre, oui, dans Team Canada. C'est un Américain? Ok, mais je t'ai vu dans le championnat du monde, là. Je t'ai vu, ben avec Team USA. Correction! Ouais, correction. Il était bon en tout cas. Je connaissais son nom, ça m'avait fait comment que lui était bon. Ben. Oh! Fogle. Ouais, Fogle! Ouais, contre Brandon Chen.
Pas Brandon, Luke Shannon. Mauvaise passe, Butler. Mauvaise passe. C'est ta gueule, ça fait 15 ans. Ouais, je suis ton stream. J'ai pas le choix, il y a à peu près un 15 secondes de délai. Ah, c'est mauvais ça. Ah! Gros play Andy, gros play Andy. Lui qui était rendu dans le net. Ouais, prends pas de chance. Bah tu me donnes victoire, Russ. T'as dit que tu irais gagner ça pour moi, là. Moi j'ai dit que j'allais gagner à partir du début, puis vu que tu t'es rattaché à la cause, ben j'ai dit que j'allais gagner pour toi. Hey, t'as pas le choix, ma défaite peut pas être crève-cœur comme ça sans que tu gagnes le tournoi. Ah. Faut que tu, genre, que tu recoues une partie de ma plaie. Just saying, j'ai fait la même chose que qu'est-ce que t'as eu devant toi, puis moi je l'ai eu en 3 secondes. Hey Big, tu menais 5-2, puis il a mis 6-5, j'étais genre Big, c'est le karma qui le rattrape. Man, Russ, il vit ce que j'ai vécu la game d'avant. Puis j'ai beat le karma, man. Ah oui, man, j'étais genre... Oh, ah, j'ai eu... Ouais, hein, t'as bloqué le goal, je pense. Ouais. Bah, je sais même pas si tu sais pas où est arrivé. Je l'avais amené vraiment loin. Ouais, elle était loin, mais je dirais, il y avait une chance. Ça, les goalers ouais. Goal bien. Marazek est athlétique. Ouais, les goalers goal bien en Chris. Je sais pas si c'est les goals ou la def en ce moment qui donne pas tant de bonnes chances. J'ai eu quelques chances, mais. La défense, ça me paraît. Ouais, je pense qu'on est serré, man. Ouais, ça joue tight. Il y a beaucoup de pression, hein. Surtout que les Hurricanes, c'est une équipe dans NHL qui joue surtout sur le puck, là. Ils sont toujours premiers sur le puck. Après ça, t'as les Kings qui est la meilleure équipe sur papier. Ils sont super intelligents sur la glace. Ah non! Yoo-hoo! Big D play! C'est tight en Chris. C'est Rap et Steve, ça que... Non, c'est moi. Ah, ouais, c'est tight, y'a pas de place, non, c'est ça. Ouais. Ce game-là, je l'ai joué en B. Je me suis dit, fuck up, man. Tu ne passeras pas. You should not bug. The Hurricanes haven't tested that goaltender really much at all. A low number of shots. Oh, nice. Very few scoring chances. They're lucky this game is close. Man. Game final contre Rick, non? Ouais, Dren, oui. Chernak's lugging the puck. Quick pass over to Trocheck. The Hurricanes take it along the wing. Intercepts it in the neutral zone. Oh boy. Skates to the crease. Moves it to Cirelli. Here's a chance to get it out of their own end. And his teammate comes up with it. And he makes the save. Hey boy. Ouais, ben c'est ça. C'est plus cher à l'heure que tu te lèves, là. Aïe, aïe. T'as une belle vie, hein. Wow. Ça va être le retour à la réalité. Puck knock loose in the neutral zone.
dishes it to Chernak. Takes the feed. Bon, un autre qui sait pas c'est quoi les oreillettes. Y'a Max qui dit dans le chat, il dit le cercle des mises en jeu, t'as peur de pas les oreillettes, esti. Un autre qui sait pas c'est quoi les calices d'oreillettes. Va donc y dire, Steve. C'est quoi des oreillettes? À ce temps que tu sais. Moi, j'ai appelé les oreilles. And now it's grabbed by Sergachev. Sends it to the opposite corner. Delayed penalty coming up here by the official. And he moves it up to Svechnikov. Aaron pass and the play's broken up. Ah, delay penalty. There's the whistle and here's the goal. The Lightning have to kill off the next 2 minutes as they have been handed a charging penalty. He'll be heading to the penalty box for a couple of minutes. That's a charging penalty every day of the week. Here inside the defensive zone, they get the puck. And a successful clearing attempt. Tries to get this man advantage going from their own end now. Sends it across the ice. Pokes it away in his own end. Gains the zone through center. Tries to the crease. Denied that one. Yeah, it's a sharp save, James. Right in the middle of the ice, he makes the stop and pushes it away. Oh, nice! C'est vraiment un imbécile heureux, hein? C'est ben Chris, il y a deux tacs dans la zone! Tu comprends? Ah, j'avais la place là, j'ai fait comme... Bah, ok. Là, c'est ce qui te reste à voir. Ouais, pour vrai, ouais. Ouais, parce que j'avoue qu'en ce moment c'était pas devait pas être sûr à 100%. Ouais, c'est ça. Je l'aurais pris, mais ça me dirait plus, même. Je l'aurais pris ma semaine de plus, hein. Je l'aurais pris en tabarnak, man. Ah ouais, lève-toi le def. What the fuck? Oh, une chose qui est rapide, man. Ah ouais, hein? Il est arrivé de nulle part, mais au moins il était vite. T'es vite puis plein d'énergie. Oh, je pense que je l'avais. C'est Luke Chen. Ah, il va être Luke Chen. Ok, c'est pour ça. C'est pas j'ai rien dit. Putain, mort, ils sont tous jeunes. comment je fais? Bonjour! Allô? Touche-moi pas. Ouais, mais c'est dans Chris. C'est ça. Ouais, sur papier, oui. Mais en game, pas tant.
puck is dropped and he wins the draw here in the defensive zone. Now he takes it over the line. Rocks him. Denies that opportunity. Takes the feed from the goaltender. And now it's over to Niederreiter. Moves the puck along the half wall. Oh, Pony. Fallait que ce soit l'autre pied après lui. And now he moves oh shit, j'avais pas trop ce qu'il smart heads up play to intercept the pass. Niederreiter's got it on the offensive end. And that shot goes nowhere as the lane was filled. And it's a quick pass to Kucherov. Reads the pass perfectly and picks it off. Takes the pass. Good hit. Strong defensive effort. Tampa Bay's got the puck along the board. And look at this, a 3-on-1. Oh non. Gros jeu, je pensais que j'avais. Ouais. Gros crise de poke. And now it's grabbed by Svechnikov. Grabbed along the board by Sergachev. It's a 2-on-1. Broken up with a stick. And he coughs it up with the pass. A chance from along the wall. Big time save on a big time shot. Non, n'avait pas le choix. Le game. Thanks. Pour vrai, j'ai joué hyper défensif. Ah, tu l'as joué en safe en tabarnak. Ah ouais. J'ai été chien un peu pour vrai, là. Je l'ai pas poussé pantoute, là. Genre, juste quand j'ai eu besoin de le chier faire. À la fin, par exemple, t'arrivais en 2 contre 1 avec Turvo, man, pis il t'a poké le sale. Ouais. Ah, oh, mais c'était. Je l'ai joué trap en tabarnak. 8 shots. Ouais, c'est ça. À 20. Ouais, ça a joué tight. Non, non, mais c'est ça qui est arrivé, c'est que je l'ai tellement trap que mes shots c'est de la merde là. Non, mes 20 shots c'est des shots de boîte là. Le goaler c'était a pas fait des attaque, huge save. C'est une game défensive. Ouais, ça a joué de la zone neutre en esti. Ouais, j'étais trap. C'est définitif, c'est ça que j'ai fait puis je le cache pas là, c'était trap. J'ai pris mon but d'avance puis j'ai trap toute la game. Genre, c'était quand même chiant. J'ai fait les Devils de New Jersey. Oui, clairement, c'était vrai de ça. C'est pour vrai, c'était comme ça que je voulais la jouer, c'est ça le pire. Genre, je me suis dit, ça me tente pas d'ouvrir le jeu contre Twitch. À chaque fois que j'ai vu du monde ouvrir le jeu contre Twitch, t'as gagné. Puis, je me sentais pas en mode jouer le but aujourd'hui. Je me sentais en mode, faut que je la joue vraiment safe, puis que ça soit comme ça qu'il faut que je joue. Ça m'a fait peur, par exemple, une coupe de shot. Pis le glitch goal sur la mythe, Vasilevski a été solide parce que je te l'ai donné genre 3 fois. Ouais. Pis il te l'a pogné à chaque fois, j'étais comme ouf. Ah, j'ai joué pour gagner là-dessus. J'suis pas tant fier de la victoire, mais genre. Still. J'ai gagné. C'était pas excitant comme match. Non, c'était pas éclatant, c'était pas épatant, y'avait rien de beau. C'était un match des Ravens contre les Steelers au football dans le bon temps, là. C'était ça là. C'était Ray Lewis contre Trey Palomo. Ouais. Bon. Il va falloir que je trouve mon calepin. Il va falloir que je me trouve une nouvelle équipe. Ça. Ouais, moi avec, je vais être dernier. On va se ramasser avec la boîte, bro. Non, là, pas moi tant. J'ai commencé à pratiquer les Flyers. Comment ça se passe? Ils vont bien. C'est pas les Bolts, mais ils vont bien. Ouais, c'est une équipe que je pensais prendre, mais là, si tu vas y prendre, je vais les enlever. Ouais, <t'sais, rire> je vais en checker d'autres. Dallas m'intéresse et tout, fait qu'il faut que je les essaye. Ouais, ça aussi. Ouais, Dallas sera plus là. Ouais, mais personne m'intéresse vraiment, je pense. Je pense qu'ils peuvent être bons. Hein. Moi avec, pour vrai, personne m'intéresse vraiment, puis je me suis ramassé avec le Tempo en 10e dans la dernière fois. Fait que je pense qu'il y a des choix. Ouais, je sais. Emmerich va se m'en reprendre Montréal. Pour être franc, la finale, si on aurait été les Switch équipes, ça aurait été la même chose, parce que moi aussi j'aurais pas une Caroline après. Ouais, c'est ça. C'était un ou l'autre, là. 7, 8, si Toronto est libre, ça serait incroyable. 9, il y a personne qui a l'air de vouloir Toronto. Parce que il y a 15 équipes que je veux prendre. Hein? Que ça. Ouais. Ouais, moi avec, pour vrai, je m'en colle. Genre, qu'importe à qui je finis, j'en veux essayer à faire quelque chose. J'espère en tout cas. Là, tu dois être assez tôt. Qu'est-ce qui serait fou? Ouais, le haut milieu, ouais. Ouais, 6, 7, 8, dans ce coin-là.
Un affaire qui serait malade, là, c'est faire un pick comme dans la Ligue nationale qu'ils avaient fait, genre au repêchage, avec genre les premiers, ils ont comme 5 choix. Une loterie. Ouais, une genre de loterie. Moi, j'ai comme un choix, une chance d'être piqué. D'être first. Puis les autres ont. Ouais. Mais tu sais, je parle à ma faveur parce que là, j'ai fini premier puis je vais finir avec la dernière, mais still. Genre, ça serait cool, un jour. Oh, General Tao. J'ai fait un esti de batch de General Tao, là. Ah ouais? C'était de la bombe. Ouais, des trous. Fort probable, ouais. Ouais. Ah, des trous au sénateur. Ouais, sûrement des trous. Ça serait hâte de faire un tournoi dans des patinoires olympiques. Ouais. Oui.